tous. Si, si, écoutez, j'insiste. Y'a de quoi faire. C'est pas grave, laissez tomber. Non, c'est toi qui raccroche. Et un sujet assez classique, hein. Les hommes. Je me suis inscrit à un cours de gestion de la colère. Et ça peut exploser à n'importe quel moment. D'ailleurs là, je sens que ça commence à bouillir. Tu sais quand même ce qu'il y a écrit. Vous avez un avenir doré dans la profession, monsieur Rémy. Avec vous, ça a l'air si facile. Facile. Quand je vois comment les filles dansent en boîte, j'ai un peu peur pour plus tard. Si jamais j'ai une fille et que je lui dis « Chérie, viens voir maman, il est temps qu'on parle de sexe. » Qu'elle me réponde « Avec plaisir, maman, tu veux savoir quoi ?» Je suis désolé, il y a eu des erreurs de casting. Hein. Qui Blanche-Neige, par exemple. Blanche-Neige, par exemple. Cette nympho. Ah bah elle a bien caché son jeu, hein. Sous ses airs de petite bourgeoise coincée, alors qu'elle a été plus souvent montée qu'un Vélib. Oh bah si, hein. Si elle a de la corne aux genoux, c'est pas à force de prier. Hein. T'es au courant qu'elle s'est faite interner? Je vous fais un petit café avec du sucre ou du lait. Je suis sûr qu'il y en a qui connaissent mieux le slogan de Carglass que leur numéro de carte bleue. Par exemple, monsieur, le slogan de Carglass. Carglass, ça va. Ouais, et maintenant votre numéro de carte bleue. Dans le métro, moi sinon j'aime bien être assis. Oh, on teste des vannes. Hein. Dis-moi, Philippe, elle te plaît, mon ami Nadège? J'ai du mal à la voir, là. Bah oui, c'est normal, c'est un sketch, elle a un peu. Elle est peut-être très beau aussi. Mais c'est non. Qu'est-ce que t'attends? Eh ben, elle est timide. Ta gueule. Et donc...